195 km au programme de la deuxième étape du Giro 1978 entre Novilicourt et La Spezia. Malgré un début d'étape un peu vallonné dans les Apennins liguriens, le reste de l'étape était plutôt plat le long de la mer Ligure. Et comme prévu, un sprint. Giuseppe Saroni, de la formation Skik, a remporté ainsi son premier succès d'étape sur le Giro d'Italia pour sa première participation à 20 ans. Le vainqueur de Tirreno Adriatico a devancé le vainqueur de la veille, Rick Van Linden, le Belge, et Francesco Moser. Rick Van Linden garde le maillot rose face à Saroni dans le même temps.